Saint Alphonse. Si nous ne sommes pas sauvés, ce sera entièrement de notre faute. Nous nous perdrons uniquement pour avoir négligé de prier. Saint Jean Chrysostome. La prière est une arme avec laquelle nous pouvons triompher de tous les efforts des démons. C'est un moyen de défense qui nous préserve de tous les dangers. C'est un port assuré qui nous met à l'abri de toutes les tempêtes. C'est un trésor où nous trouvons tous les biens réunis. Saint Alphonse. Jésus-Christ nous promet que tout ce que nous demanderons en son nom à Dieu son Père nous sera accordé. Mais cela s'entend toujours d'une demande faite avec les conditions requises, qui sont l'humilité, la confiance et la persévérance. Saint Laurent Justinien, la prière apaise le courroux de Dieu qui s'empresse de pardonner à celui qui le prie avec humilité. Elle nous obtient toutes les grâces que nous désirons. Elle nous met au-dessus de toutes les forces de nos ennemis. En un mot, elle change les hommes d'aveugles en clairvoyants, de faibles en forts, de pécheurs en saint. Saint Alphonse. Jésus-Christ promet leur conversion aux pécheurs pour qui l'on prie, à condition qu'ils ne soient pas déterminés à rester dans leur péché jusqu'à la mort. Car autrement, il faudrait une grâce très extraordinaire. Saint Jean Chrysostome. La prière est une ancre de sûreté pour quiconque est en danger de faire naufrage. C'est un trésor inépuisable pour celui qui est pauvre. C'est un remède très efficace pour celui qui est malade et un préservatif infaillible pour qui veut se conserver en santé. Les habitants d'Antioche, dit Saint Alphonse, suppliaient un jour la Sainte Vierge de les préserver d'un terrible fléau qui les menaçait. Pendant qu'ils priaient, Saint Berthold entendit la Mère de Dieu répondre du haut du ciel : « Ôtez le péché, et je vous délivrerai du châtiment. » Demandons et espérons, et certainement nous nous sauverons. Il ne s'est encore trouvé personne qui, après avoir mis son espérance en Dieu, se soit perdu. Et il ne s'en trouvera jamais. Toutefois,
il faut prier et espérer comme on le doit. Ainsi, quiconque prie avec la volonté de s'amender, il obtient miséricorde de Dieu. Oui, si nous avons la bonne intention de nous convertir vraiment à Dieu, alors prions-le et soyons pleins de confiance. Eussions-nous commis tous les péchés du monde. Cependant, dit Saint Hilaire, celui qui demande à être aidé doit céder aussi lui-même. Et Saint Augustin dit la même chose, ainsi que Saint Jean Chrysostome, qui affirme que les prières des saints nous sont très utiles, à condition que nous nous purgions de nos vices. Efforçons-nous donc de faire de notre côté tout ce que nous devons. Et alors, réjouissons-nous si nous avons réellement l'intention de changer de vie. Prions et ne cessons jamais de prier. Par ce moyen, nous obtiendrons toutes les grâces et nous nous sauverons. Et en voyant notre résignation, Dieu nous pardonnera non seulement nos péchés, mais il nous enlèvera même le châtiment dû à nos péchés. Oh, quelle heureuse mort font tout spécialement ceux qui sont dévots à la Mère de Dieu. Demandons beaucoup et nous aurons beaucoup. Qui prie se sauve, qui ne prie pas se damne. Saint Alphonse. Dieu n'a pas promis de nous exaucer lorsque ceux pour qui nous prions mettent un obstacle positif à leur conversion. Saint Pierre Chrysologue. Celui qui fait bon usage de cette arme puissante qu'est la prière ne tombe point dans le péché, se détache de la terre, s'élève jusque dans le ciel pour y établir sa demeure et commence dès cette vie à jouir de la conversation de Dieu. Saint Alphonse, toutes les âmes qui aiment vraiment Dieu ne se lassent point de prier pour les pauvres pécheurs. Saint Augustin, rien ne saurait nous nuire quand nous prions. Saint Alphonse, il est souvent arrivé que le Seigneur, dans sa bonté, s'est plu à ramener dans la voie du salut les pécheurs les plus aveuglés et les plus endurcis, en leur accordant des grâces extraordinaires en considération des prières de ses serviteurs. Saint Bernardin de Sienne. La prière est une ambassadrice fidèle qui, bien connue du roi du ciel, a coutume de pénétrer jusque dans son cabinet et par ses importunités
ne manque jamais de fléchir le cœur de ce bon maître et d'en obtenir tous les secours dont nous avons besoin. Saint Alphonse, combien n'en est-il pas qui, s'ils étaient malades ou pauvres, ne tomberaient pas dans les péchés qu'ils commettent, étant en santé ou dans l'abondance. Lors donc que le Seigneur refuse la santé du corps ou les biens de la fortune à ceux qui les demandent, c'est parce qu'il les aime et qu'il prévoit que ces avantages temporels seraient pour eux une occasion de perdre sa grâce ou tout au moins de tomber dans la tiédeur. Saint Ambroise, l'on obtient en priant, car prier et recevoir sont une même chose. Le Concile de Trente. Pour persévérer dans la grâce, le secours général que Dieu donne à tous ne suffit pas. Il faut en outre un secours spécial, lequel ne s'obtient que par la prière. Dans le manuscrit du Purgatoire, la vraie sainteté consiste à se renoncer du matin au soir. Saint Éphrem, celui qui se prémunit par la prière empêche le péché d'entrer dans son âme. Notre-Dame de Fatima, le 13 juillet 1917. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira. Et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Notre-Dame de Lourdes en 1858. Pénitence, pénitence, pénitence. En 1830, la Sainte Vierge à Sainte-Catherine Labourée, sur la médaille miraculeuse. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Alphonse, l'espérance sainte est celle du pécheur qui se repent du mal qu'il a fait et qui veut changer de vie. Autrement, son espérance serait fausse, une espérance téméraire. Repentons-nous donc de nos péchés avec la résolution de nous corriger. Et recourons avec confiance à Marie. Alors elle nous aidera et nous sauvera. Oui, recourez à la Bienheureuse Vierge, et cela, quand même vous seriez désespérés, abandonnés de Dieu. C'est ce qu'enseigne Louis de Blois, en appelant Marie l'espérance des désespérés
et le secours des abandonnés. Saint François de Sales. Vers le ciel saintement poussé, ô mon âme et vous mes esprits, n'ayez plus aucune pensée, ni force au-dedans ramassée, qui de Dieu ne dise le prix. Saint Alphonse. Lorsque nous demandons à Dieu des avantages temporels, nous devons toujours le faire d'une manière soumise et résignée, avec la condition qu'il soit utile à notre âme. Et si le Seigneur nous les refuse, soyons persuadés que c'est par un effet de l'amour qu'il nous porte et parce qu'il prévoit que nous en éprouverions un dommage spirituel. Saint Jean Chrysostome. Dieu est toujours prêt à écouter nos prières quand on le prie comme il faut. Et nous n'avons même pas encore achevé notre prière que déjà il nous exauce. Saint Alphonse. Ce ne sont pas les tentations ni les mauvaises pensées qui éloignent de Dieu, mais c'est le consentement qu'on y donne. Saint Jean Chrysostome. Notre unique soin doit être de prier avec confiance, persuadé que par ce moyen, tous les trésors du ciel seront ouverts en notre faveur. Saint Alphonse, quel progrès fait une âme en résistant à la tentation? Saint Augustin. Il est plus utile de prier que de méditer, car en lisant et en méditant, nous apprenons nos devoirs, mais en priant, nous obtenons la grâce de les remplir. En effet, à quoi sert-il de connaître nos obligations et de ne pas nous en acquitter, si ce n'est à nous rendre plus coupables devant Dieu. Or, nous ne remplirons jamais nos obligations si nous ne demandons pas à Dieu la grâce de les remplir. Saint Alphonse. Le Seigneur n'écoute point la prière des orgueilleux qui se confient en leur propre force. Il les laisse dans leur état misérable et ainsi privés de l'assistance divine, ils ne manquent pas de se perdre. Le père de Montfort, faisant parler la foi. Je déteste tout hérétique, le juif, le turc et le païen, l'apostat et le schismatique. Le seul catholique est mon bien. Tous les damnés se sont damnés parce qu'ils n'ont point prié, dit saint Alphonse. S'ils avaient prié,
il ne se serait point perdu. Tous les saints se sont sanctifiés par la prière. S'ils n'avaient point prié, ils ne se seraient point sanctifiés ni sauvés. Marie peut, par ses prières, tout ce que Dieu peut par sa simple volonté. Ô Marie, votre bonté égale votre puissance. Les dévots serviteurs de Marie, affirme saint Antonin, se sauvent nécessairement. Ô Marie, conclut saint Alphonse, vous exaucez tous ceux qui vous prient. Dès que Marie parle, son Fils l'exauce à l'instant. Heureux ceux qui se seront confiés en Marie, proclame saint Bonaventure. Leur nom est inscrit au livre de vie. Ô Marie, vous sauvez qui il vous plaît. Comment pourrait périr celui qui se recommande à Marie, s'exclame saint Alphonse. Quiconque s'attache au service de Marie, assure saint Bonaventure, sera loin de la damnation. Celui que Marie protège est assuré de ne pas se perdre, reprend saint Alphonse. Oui, poursuit-il, la dévotion des pécheurs pour Marie est un signe infaillible de l'arrivée prochaine de la grâce. Oh, quelle heureuse mort font tout spécialement ceux qui sont dévots à la Mère de Dieu, conclut le saint docteur.